fréquence, les box après, c'est côté à vous tous de la part de Dindy 33. Alors on est le 18 novembre 2017 et c'est parti pour le QSO national du Canal 27, section sud-ouest. Alors il y a de la protax ce soir, un petit peu là derrière, j'entends les appels se faire. Avant de commencer, là depuis 10 minutes, là j'entends un QSO là derrière. Donc là ça risque d'être un petit peu animé ce soir. Alors est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Oui, la station, les 2073, 51 retournés de la part de Dindy 33, QTH Sainte-Colombe, entre Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille, département 33. Ouais, département 64, Leron, il y a eu, il m'a semblé entendre une autre station en même temps là qui lançait appel là derrière. Les 2073-51 à vous. Retour de micro, il doit y avoir Michel, je crois, derrière. Oui, je vais saluer tout le monde, ainsi que Laurent qui passe très très bien sur le Nord Gironde. Mais par contre, Laurent, tu patientes, il y a un deuxième break. Oui, le deuxième break en avant. Cappuccino. Oui, la station là qui s'est signalée, là, à part Laurent que nous avons reconnu, pas de problème, il passe toujours aussi bien. Alors, la deuxième station, retour à vous. Lima Bravo 034, la Dordogne, les bonnes 73-51 à vous et de la part de Dindy 33, QTH Sainte-Colombe. Ok, merci pour le retour de micro. Les bandes 73 à nouveau retournées. C'est vrai que ce soir, c'est un petit peu la fréquence est un petit peu agitée. Je vois là tout à l'heure, là quand j'étais sur la route, là retour du pro. J'avais tout au long de la route, j'ai eu pas mal de QRM. J'étais en stand-by sur le 555. J'ai que du QRM tout au long de la route. Là en ce moment, depuis tout à l'heure, j'entends des QSO d'un petit peu partout, là, de d'autres régions là sur cette fréquence. Donc là ouais, c'est un petit peu animé. Retour de micro sur Michel. Michel, c'est un blanc parce qu'on nous dit toujours qu'on ne laisse pas le blanc. Alors les bons chiffres à la mise de la Dordogne, que je reçois pas trop mal sur le Nord Gironde. Au bord de l'estuaire de la Gironde, presque, il passe pas trop mal. Alors, on va laisser un autre blanc. Oui, mais dis donc, tu. Oui, mais tu as qu'à. Oui, il y en a un qui est en train de surmoduler, là. Ouais, j'ai eu un break, j'ai entendu un Roger Bip là derrière. Et la station avec la Roger Bip, les 2073 en avant. Du 14, Romeo Fox, Romeo 138 Dylan, département 38. Et on a aussi le 73-51 de Pierre-Michel que j'ai eu tout à l'heure en fréquence. Oui, le dernier break là, ça passait, mais c'était très très loin et très petit.
Ok, on a également le 73-51 du 14 Eco Delta 040, de 14 Hotel India Romeo 12, 14 Nike Sierra 033, ça tombe. Romeo Foxtrot Romeo 138 du 93. Désolé si j'en oublie, Cyril, le 73 aussi, Oscar 62, plus tous les autres, et comme on a déjà dit, désolé si on en oublie, hein, c'est pas fait exprès du tout, c'est difficile d'éplucher tout le listing, tous les messages là qu'il y a, vu que ça tombe au fur et à mesure. Allez, retour Michel. Xavier, tu serais derrière par hasard? Waouh, j'aime ça, moi, des breaks comme ça, là, bien. Voilà, tout simplement, bien. Il n'y a rien d'autre à dire en plus. Vu les traces. Les traces de... Ah, enregistre le break. C'est traces de l'image que tu laisses à chaque fois que tu vois les airs. Les 23-51 à toi, Ludovic. Mais moi, tu vois, là, je vais manger comme un aspire, là, ce soir, pour être vite là devant la station à l'heure. Eh ben, écoute, voilà, ben, ça paye parce que t'es plus à l'heure que moi. Hein. Moi, je mangerai moins vite, par contre. Donc, je digérerai mieux. Puis, il y a intérêt parce qu'on s'est fait des gros hamburgers maison, là, ce soir. On est plein, mais vraiment plein. Voilà, je vais laisser de la place au break, je sais pas s'il y a d'autres stations aussi, dans le QSO, donc je salue et puis on fera tourner. En avant le break. Oui, j'ai entendu chuchoter dans le lointain. Roger Beep, c'était très 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 QRP de mon côté. Les bonnes 73-51 à la station, voilà, de la part du QSO national du canal 27, section sud-ouest, Gironde. Oui, il y a eu un break, je pense, il s'est annoncé 14 ADX, je ne sais plus. Le break, on retourne à vous. Ouais. 73 à tous. On est à la maison, hein, quand même. José, ok. Les 73, José. Il y a Doudou aussi. Ludovic, ouais, bon, j'ai compris pourquoi il n'a pas répondu. Enfin, je devine plutôt, on va dire. Ludovic, qui est pour toi, c'est José, là, du centre en France. Ok, José, mais bonne 73-51. Non, je réponds pas parce que je laisse les breaks. Se manifester, il y en a plusieurs en même temps, donc c'est pour ça que je me fais discret pour laisser le temps à tout le monde de s'annoncer. Voilà, j'ai entendu Doudou, les bonnes 73-51, Doudou, à toi. Voilà, ben, je vais du centre France, il n'y a pas de souci, si tu nous copies, ben, avec grand plaisir. Voilà, je laisse un blanc pour José, et puis après Doudou, tu pourras rentrer un peu plus à ton tour. Vas-y, José. Oui, José du Centre-France.
Oui, mais il y a un petit problème à le réglage africain. C'est difficile, vous devinez, hein. Oui, Doudou, je te copie. 2531 toi, retour. Un petit peu en fréquence, mais c'est pas grave, on va clarifier, hein, t'inquiète pas, hein, voilà. Il y a un autre break là qui a hurlé derrière. Je sais pas qui c'est, à toi le break. On a des grands timides ce soir en fréquence. Et en plus, on a un relais sur Orphèvre qui entend les breaks lui aussi. Allez, retour à toi, Ludo. Ouais, merci du retour. Mais moi, ouais, j'entends pas d'autres stations ainsi. J'ai entendu une station là quand t'as parlé du break lointain. J'ai entendu vraiment au loin quelque chose, mais alors. Des chiffrages, rien du tout, donc voilà. Voilà pour moi. Enfin, mais sinon, je sais pas trop quoi vous dire. Là, j'ai bon, apparemment mangé de très très bons hamburgers, okay. Voilà. et puis ben, sinon, j'ai reçu une petite livraison de composants électroniques là, pour bidouiller. J'avais pas de projet en particulier, mais juste pour faire comme ça des essais à droite à gauche. Donc, voilà, voilà. Et je suis en train de me demander si je me suis pas trompé dans un. Dans ce que j'ai commandé, voilà, donc c'est la vie. J'avais commandé des prises femelles jack stéréo et je les ai prises en 2,5 mm au lieu de 3,5 mm, donc voilà, je suis comme un couillon, donc c'est pas grave, je pense que je vais les renvoyer.
Bon, ben, c'est ma vie. Ok, je vais retourner le micro du côté d'Eric. Ben, du coup, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus maintenant qu'on t'entend ce soir. Ben, qui tu es, d'où tu viens, voilà, et puis tes conditions de trafic. Quoi, donc, mon côté, c'est 14BR860. On est avec Michel, 14 Alfa Romeo 1995, je crois, et Rémi, qui est 14 Delta Romeo 33, si je ne me trompe pas, voilà. Donc les présentations sont faites rapidement, mais je te retourne le micro à toi, Eric. Ok, merci pour le retour. La Dakota, je suis en train de confondre entre deux antennes. Est-ce que c'est celle qui a des radiants ou celle qui a le fouet qui est déporté sur le côté de la self? Je sais plus. Alors, moi, les conditions de trafic de mon côté, c'est un petit 40 canaux qui fait juste la M. C'est un Yazoo FT450 AT. L'antenne, elle est tournée à l'envers dans le grenier. C'est une Mantova, Mantova 8. Hein. À dire des conneries, j'arrive même plus à parler. Quoi. Ah, chi. Et ben voilà, quoi. C'est un micro d'origine, ça s'arrête à ça, quoi. Voilà. Retour Ludovic, si des fois il m'entend pas.
Ok, on nous demande de laisser un blanc. Cyril, 14FDX, 057, allez-y, vous deux, lancez des appels. Vas-y, Cyril, c'est à toi de faire le feu vert. Il y a quelque chose qui passe. Il a parlé, il parle du signal. Oups. Ouais, Cyril, tu arrives à passer, mais alors, c'est très timide, très timide, très timide. Il faut avoir des grandes oreilles pour t'entendre. Je sais pas, on va voir. Rémi a dit qu'il entendait quelque chose. Retour à toi, Rémi. Mais j'ai cru entendre quelque chose juste là, deux secondes on va dire. J'en profite pendant que j'ai le micro pour envoyer les bottes 73 à Pepper24 là, qui viennent se signaler là sur le chat là, du WebSDR. Cyril, si tu m'entends, les bottes 73 51 à toi. Il y a aussi 14FDX 057 qui a tourné la directive là vers nous. Ouais, Michel de Toulouse, si tu veux essayer, essaye, on t'écoute. Tu verras qu'il achète des saucisses à Toulouse. Alors attends, on a comment il s'appelle, le département 64. Ah, j'ai zappé son prénom. Retourne le micro de son côté. Sous-marin 2. Sous-marin 2. Ouais, Laurent, t'es toujours derrière, sur Orthez. Oui. C'est tout bon, c'est tout bon. Rémi, tu l'as entendu? Ouais, j'ai entendu Doudou, les 73-51 à toi, Doudou. Ouais, c'est très 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 difficile de mon côté à te sortir, hein, Doudou. Désolé, mais c'est vrai que là j'ai du mal à t'entendre. J'ai une oreille sur le WebSDR, j'ai l'autre oreille sur le poste et ça a vraiment 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 du mal à passer. Hein. Tu m'étonnes. Et la station qui fait hola hola en avant avec les bonnes 73-51. Pour faire du jour, tu vas bien? Oui, les Grequel, les bons 88 de la part de 14 Delta Romeo 33 QTH Sainte-Colombe entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Je n'entends plus. Retour Michel, tu l'entendras peut-être mieux que moi.
entendu un break, alors il essaye de le passer. Laurent, tu as pu l'avoir le break? Ah ok, il était trop petit. Mais retourne à toi, Ludo. Break! Ok, mais merci du retour micro. J'ai entendu des voix au loin, mais sans plus. 113 Thierry, j'ai entendu aussi, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc j'ai rien entendu que je puisse décoller en tout cas, donc voilà. Je vais pas vous aider une grenade de ce côté-là. Je vais retourner du côté d'Eric, peut-être qu'il a entendu du monde ou du côté de Mérignac. Eric, est-ce que t'as entendu des breaks ou quelque chose comme ça? Vas-y, à toi, retour. Ouais, ils sont en train de faire les avant qu'ils reprennent, voilà. Les autres tempoya. Ils sont de la plongée sous-marine, bon, c'est pas grave. C'est leur problème, c'est pas le mien. Je vais en bloquer quelques-uns. Ok, Eric, il va falloir que tu reviennes parce que Thierry t'a surmodulé. Donc si tu peux revenir, s'il te plaît. Je vois ce que tu as dans les oreilles, enfin j'imagine en tout cas, voilà. Quoi que ce soit, c'est assez calme, mais il y en a qu'un qui semble être activé, du coup le noise blanker arrive bien à le gérer, donc j'arrive à bien entendre à peu près tout le monde, mais bon voilà. Les autres stations un peu trop loin, qu'il y avait tout à l'heure, j'ai pas du tout décodé du tout. Voilà, donc je sais pas s'il y a un Laurent derrière, ben, en tout cas les invités, pas de soucis, mais j'ai pas réussi à entendre vraiment qui c'était. Voilà, pas simple ce soir. Quoi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de propagation quand même, doucement, mais bon. Voilà, donc s'il y a d'autres stations qui veulent se manifester au loin, allez-y, puis sinon ben, Michel, tu pourras en prendre. Ok, ça a été une espèce de cacophonie là, ah, chie trois coups. Les 73-51, bon, chez toi. Bon, ben j'entends plus personne, retour Ludovic. Ouais, ben j'allais te demander si tu avais bien travaillé là, chie. Si ça n'avait pas été trop dur ce matin. Ouf, t'imagines pas, gros. Et là, c'est parti pour que ce soit si dur demain matin. Ouais, c'est plus tard qu'hier, ça, non? Et debout, 5h moins le quart, quand même. Hein. Ouais, ok. Et bien, super. Je penserai à toi bien au chaud sous la couette, Hachi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? On parlait avec Xavier hier, là, de l'observatoire de Bordeaux, là, qui est à Floirac, là, tu connais? Non, vas-y, explique. Oh, bah, c'est un observatoire astronomique, tu sais, il y a des télescopes et tout ça, c'est un truc, il y avait un département d'université qui travaillait là et qui a été relocalisé dans Bordeaux, je sais plus où, depuis, ça fait un an maintenant. Voilà, donc la question c'est qu'est-ce que ça va devenir ce site. Donc voilà, ça risque d'être vendu pour faire des logements, ça peut être, je ne sais pas utiliser à quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une association qui
et un samedi par mois. Voilà, donc on peut visiter le site, ça c'est sympa, avec tout le matériel et tout, c'est très intéressant. J'avais fait une journée porte ouverte là-bas, hein, c'est super, super chouette. Ben, alors, si je parle de ce site-là, c'est parce que avec Xavier, on le convoite pour y mettre une antenne de SDR assis. Ça pourrait être un endroit vachement sympa pour aller y poser une antenne. Parce qu'on suppose que question QRM, ça va être quand même beaucoup plus tranquille, vu l'éloignement par rapport aux maisons. Et puis, c'est sur la hauteur, c'est bien, quoi. Donc voilà. Il y a d'autres antennes aussi là-bas, il y a des radiotélescopes, etc. Donc je pense qu'une petite antenne 11 mètres ne ferait pas trop tâche dans le paysage. Surtout qu'il y a un beau pylône qui est très en hauteur. Donc voilà. Voilà, donc on discutait de ça et la question c'est de trouver une relation là-bas pour pouvoir aller y mettre des équipements. Voilà. Ok, alors attends, j'ai les Grecquel qui m'a... il n'y a plus de connexion, Fabienne. Bon, ben voilà, c'est parti. J'allais montrer là devant la caméra les photos qu'elle me montrait justement là, de ça. Mais apparemment, il n'a pas aimé quand je suis passé en émission, là, son téléphone. Je suis trois coups. Eh, mais c'est intéressant, là, ce que tu me dis, là. Et il y a d'autres observatoires aussi, là, dans le coin. Bon, ben, dans la région, je pense qu'il y a que celui-là, hein, mais l'avantage, c'est surtout qu'il est sur la hauteur. Voilà, mais je connais que celui-là. De trouver quelqu'un, une relation, quelqu'un comme ça qu'on pourrait choper pour essayer de discuter, voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Même si c'est pas pérenne, ça pourrait être sympa d'avoir quand même le SDR installé pour quelques, peut-être un an, deux ans, j'en sais rien. Donc voilà, ça se réfléchit. Je regarde, il y a moyen en fait de contacter l'association, hein, qui s'occupe de ça, qui s'occupe de faire des visites. Là, je sais pas s'ils ont autorité pour installer ce genre de trucs, mais bon, voilà. Alors ça, c'est une première option. Et puis la deuxième option aussi, qu'on avait discuté aussi, c'était de faire une activation là-haut. De demander à l'association et puis prendre contact avec eux pour faire une activation CB, ça pourrait être rigolo, voilà. Ce dont on discutait hier soir, voilà. Hey, oui, je t'écoute. Ouais, enfin, je vous écoute, ça fait plusieurs week-ends, il n'y a pas comment je t'écoute. on voulait vous demander, votre truc, là, canal 27, ça consiste à quoi votre truc là? Parce que là, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, mais attends, ils font quoi? Vous faites quoi là? Moi je vous explique ce qu'ils m'ont dit, vous faites du n'importe quoi. Parce que c'est avec les choses nationales, d'accord? Vous parlez entre vous, déjà. Vous parlez entre vous. Et après, ils ne comprennent pas pourquoi vous êtes mis sur le SDR. Voilà, je ne dirais pas qui c'est qui m'a dit. Hein. Voilà. Et ils ne comprennent pas pourquoi vous faites. En fait, ça c'est votre problème, c'est leur truc. Comme j'aurais dit, c'est leur truc après. Ils font des SDR, pourquoi moi je ne s'entendent pas. Voilà, c'est comme ça. Je ne me trompe pas, hein. Faut pas que tu me le dis si je me trompe. Hein. Puis s'ils ont mis un SDR, c'est parce qu'ils ne s'entendent pas. Et vous faites des QSO, déjà c'est entre vous, parce que là, ça fait plusieurs mois qu'on vous écoute, voilà, et moi je leur ai dit, vous inquiétez pas, moi je vais leur dire, moi je ne me gênerai pas de vous le dire, moi je dis ce que je veux à la radio, voilà, mais c'est entre eux, voilà, pour un QSO, c'est pas national, c'est du local qu'ils font, c'est pas du national, c'est du local, voilà, ils se parlent qu'entre eux. Voilà, bon, la propague, mais ils font pas le nécessaire pour parler après ailleurs. Nous on se parle, je vous dirai pas où c'est qu'on va, mais voilà, c'est juste pour savoir ce qu'ils sont derrière en train d'écouter là. J'ai donc 73-51, la station qui nous écoute, en tout cas, hein, ouais, pas de soucis. Bon, après, comme je dis toujours, si ça n'intéresse pas ce qu'on raconte, on force personne à écouter, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, l'histoire de savoir QSO national ou local, bon, ça, je pense qu'on te l'a expliqué déjà plusieurs fois, donc je compte sur toi pour leur
qu'à dire. Mais en tout cas, voilà, s'il y a d'autres stations qui veulent rentrer, il n'y a pas de problème. Après, les sujets sont ouverts. C'est vrai que là, on parle un peu de tout ce qui nous passe par la tête. Des fois, c'est un peu technique, ça vole au niveau que ça peut voler, hein, voilà, en fonction de nos connaissances. Maintenant, s'il y a des stations qui veulent rentrer et apporter un contenu qui soit un peu plus consistant, moi, j'ai aucun problème. Hein. Voilà. Me concernant, bah, discuter avec les stations, j'entends. Voilà, comme tu le sais, Thierry, je suis un peu emmerdé ici au niveau de QRM, donc je fais avec les moyens du bord, comme on dit. les gens que j'entends qui break, je leur réponds avec plaisir. Voilà, ce qui j'entends pas, et je suis désolé, je peux pas faire mieux, donc voilà. Après faire des QSO plus loin, malheureusement je n'installerai pas chez moi d'antenne directive, donc tu vois bien que je pourrais pas faire mieux, voilà. Sur le dernier point que tu disais, le SDR, bon, c'est pas à toi que je réponds, hein, Thierry, c'est plus aux autres stations qui nous écoutent, parce que toi tu sais déjà tout ça, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec toi. Concernant le SDR, bon, c'est juste un récepteur que j'ai mis en place et il se trouve qu'il y a des gens qui l'utilisent pour nous écouter. Donc voilà. La plupart, c'est des gens qui font qu'écouter, forcément, parce qu'ils sont soit dans d'autres régions, soit on les entend pas. Des fois, par exemple, Michel et tout, lui, ils nous entendent de temps en temps, mais bon, nous, sur Bordeaux, trop de bruit de son pour pouvoir l'entendre aussi, donc voilà. Je pense que ouais, tu me dis, Thierry, si j'ai répondu aux questions que se posent les stations dont tu parles, là, je sais pas qui c'est, mais dis-moi si j'ai répondu aux questions, sinon je leur préciserai des trucs, voilà, retour. Oui, là, mais voilà, ben, alors, on vous écoute, on dit pas ça méchamment, hein, nous, on... de là, on dit pas ça méchamment, ouais, après vous faites ce que vous voulez, ouais, après, bon, oui, le SDR, ouais, bah, bon, on sait ce que c'est le SDR, voilà, bon, mais c'est, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Comme on dit, nous, on a un poste, on a une antenne, et puis voilà, on se parle, on s'entend, c'est bien, on s'entend pas, on parle pas, hein, voilà. Bon, après, voilà. Mais non, mais c'est le truc, le principe. Parce qu'il y a un autre qui me dit, ouais, le canal est 27, le cuisseau du 27, et puis, voilà, pour servir du monde, ni nana, pour remettre la CIMI, ni nana, ouais. On en a entendu des enregistrements. Parce que moi aussi, mais il y a pas mal d'enregistrements qu'on a écoutés. Voilà, que certaines personnes ont dit, ouais, c'est pour faire revenir la CB, pour faire revenir ci, pour faire revenir là. Mais on voit, depuis le temps que ça a été dit, depuis le temps, depuis le temps que ça a été dit, mais bon, c'est toujours les mêmes, voilà, local, c'est du local, il n'y a pas de nouveau, il n'y a rien, bon, après, c'est bizarre, c'est quand même bizarre, après vous faites ce que vous voulez, hein. c'est votre cuisseau, c'est pas, ça nous arrange pas, Dimanche, ils le savent, c'est-à-dire le dimanche matin, non, ça les intéresse pas. Mais bon, on écoute, mais bon, ils parlent. Break. Ça, c'est pas du bon. Après, chacun parle comme il veut, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je leur dis, ils font ce qu'ils veulent, ils parlent, ouais, c'est un QSO qui, voilà. Mais bon, ouais, mais c'est Canal 27. Break. Routier, ouais, mais qu'est-ce qu'il en sort, déjà, celui-là qui l'a fait. Toi, moi je ne sais pas de nom, celui-là qui a fait, qu'est-ce qu'il en fait lui, parce que dalle, déjà, hein, bon, voilà, bon, il veut le faire, c'est bien, break,
dit quelque chose, il faut le faire. Faut aller jusqu'au bout. Mais là, ça fait un an, deux ans, même plus que ça. Depuis trois ans que ça dure le truc. Bon, mais voilà. Après, c'est oui, vous vous débrouillez. Après, c'est pas notre truc. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, moi, alors, ouais. 9, moi, 10 heures, après, je m'en vais. Putain, mais quel casse couille sur votre fréquence. Voilà, et bon, on se mettra. Bon. Allez, dis donc, t'es par là? Oui, mais j'écoute patiemment. Ils vont en parler de ce que je vous ai dit. Et voilà, après, oui. Voilà, bon, après, vous faites comme vous voulez. Ok, ben, merci Thierry pour l'intervention, puis ben, c'est sympa de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent. Voilà. On essaie de pas trop dire des conneries, alors voilà. Mais bon, du coup c'est presque l'heure pour toi d'aller faire un petit tour plus bas, si j'ai bien compris. Voilà, ben, tu feras coucou de notre part aux gens du bas, à Chine. Alors moi c'est pas l'heure, moi, tu vois, il est 21h40, moi 21h, moi c'est 10h, hein, c'est 10h, moi à partir de 10h je suis plus sur le 11 mètres, après parce que je quitte le 11 mètres, hein. Alors, moi le 11 mètres c'est la journée, c'est tout, après, bon, voilà, après le 11 mètres, je m'en fous, moi, du 11 mètres, hein. Alors, mais là, mais je te le dis, bon, il n'y a pas que moi qui écoute, je suis pas le seul à écouter, bon, voilà, mais bon, je leur ai dit, vous inquiétez pas, je leur dirai, moi je me gêne pas, bon après si on me fait une réflexion à moi, on me la fait, hein. Bon je m'en fous, moi je suis pas à la radio pour me faire des amis, comme j'ai déjà dit, pour me faire des amis, je m'en fous, moi, après, bon mais quand certaines personnes disent qu'ils font des cuissons, mais comme ils entendent parler, je dis bien parler, voilà, ils veulent faire ça, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, mais je sais pas moi, alors je suis passé leur licence de radio amateur, carrément, puis ils verront. Ok, ça marche, merci, je crois qu'il y a un break, à toi le break. Salut Xavier, 2351, 58, voilà, comme hier, bravo. t'as ressorti l'artillerie lourde. Oh non, on peut pas comme ça, quand même. Eh bien très bien, ça m'a envie en tout cas. Toi Rémi. Oui, je suis toujours là, ah, j'entends parler derrière. Oui Rémi, les amitiés. Les 73-51 à toi, hop, je suis en train de regarder l'heure, va falloir que je pense là à passer QRT. Hein. Les bonnes 73-51 à vous tous, désolé, mais demain matin, 5h moins le quart debout, donc là, faut que j'y aille. Je vous laisse en QSO, bonne continuité QSO, les bonnes 73-51 à vous tous, et bon dimanche. Ok, ça marche, Rémi, ben, bon courage hein, pour demain, au lever, ça va être dur. 73 à toi, voilà, passe une bonne soirée. Et à une prochaine, voilà, je passe le micro à Michel. Salut Xavier, les amitiés, ce soir je t'entends bien, c'est bon. Et toi, tu m'entends? Ah oui, Michel, oui, là ce soir ça marche bien. Voilà, tu m'arrives, tu peux même bouger les mains du poste, c'est magnifique. Oui, mais je crois qu'il y a un autre break derrière. Oui, qui c'est qui parlait de Michel derrière? C'est Xavier que je parlais de toi.